Une fille, oula, une fille de Saddlemaker, dernière génération de Saddlemaker, la mère Ulve par Bernebon, présentée par Hervé Darmaillet. Elle s'appelle Ève Verte. La mère est sœur de Thélèse, fille de la Virco qui avait gagné le prix du Rat de Saint-Lô durant l'hiver sur la PSF de Deauville, avant de gagner un obstacle en Irlande. Elle est puissante, effectivement, cette fille de Saddlemaker. Je vous rappelle Saddlemaker, un grand améliorateur, Saddlemaker, malheureusement mort le 4 mai 2016. Tandis que les boxes sont solides, hein, comme vous pouvez l'entendre. C'est la famille de Diassou, notamment de Diane de Valois, une famille qui s'est illustrée dans le registre des Anglo-Arabes, puisque Diane de Valois a gagné la poule d'essai à 25% à la tête, elle a fait deux femmes. C'est un vrai bon cheval d'obstacle chez François Nicole. Jenelina aussi, qui a été une des bonnes juments de sa génération il y a 3-4 ans. Et Domino du Rénal, une souche qui est exploitée dans cette branche-là par Sébastien Constant en Auvergne. Le premier produit, on va au trot désormais, le premier produit de Ulve est exporté en Irlande, ainsi que Norrois. Tandis qu'on a un nouveau candidat, c'est le 23. Le 23 sur la ligne numéro 2. C'est Charles Magnien qui nous propose l'histoire sacrée, une fille de Gris de